Bonsoir à tous et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le jeudi 6 juin 2019 en séance ordinaire de 9h45 à 12h25 sous la présidence de son Excellence M. Rochmar Christian Kabore, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur le dossier inscrit à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à la nomination et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 9 rapports. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, une demande d'agrément pour la nomination de M. Mohamed Hussein Al-Falaikawi en qualité d'ambassadeur extraordinaire de l'État du Koweït auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra au Ghana. Une demande d'agrément pour la nomination de Mme Anne Lugon-Moulin en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une demande d'agrément pour la nomination de Mme Willie Maï Tolbert King en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Libéria auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une demande d'agrément pour la nomination de M. Luc Alad en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République française auprès de Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de ces 4 ambassadeurs auprès de notre pays. Pour le compte du ministère de la Justice, un projet de loi portant modification de la loi numéro 25-2018-AN du 31 mai 2018 portant code pénal. Ce projet de loi vise à actualiser le code pénal burkinabé en vue de renforcer la lutte contre le grand banditisme, de renforcer les moyens d'action des forces de défense et de sécurité contre certaines publications qui peuvent être de nature à saper l'efficacité de leur intervention ou de leurs opérations et de protéger l'honneur et la dignité des victimes de certains crimes et délits. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de la Santé, un décret portant modification du décret numéro 2011-1051 du 30 décembre 2011 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso. Les modifications concernent pour l'essentiel le positionnement des messages sanitaires illustrés et écrits sur les conditionnements de tabac et les différents types de conditionnement. L'adoption de ce décret modificatif permet d'harmoniser la réglementation nationale sur le conditionnement et l'étiquetage des produits de tabac avec le guide d'apposition des messages sanitaires graphiques édicté par l'ensemble des acteurs de la filière à l'intention de l'industrie du tabac. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un décret portant déclaration d'utilité publique urgente du projet de construction du boulevard périphérique de la ville de Ouagadougou, voie de contournement nord et sud. Le projet de construction du boulevard périphérique de la ville de Ouagadougou concerne les arrondissements 4 et 8 de la commune de Ouagadougou et 41 villages répartis dans les régions du centre, du centre-sud et du plateau central. Il a pour objectif de désengorger les artères principales de la ville de Ouagadougou et de résoudre les problèmes de sécurité, de sûreté, d'espace et de mobilité à l'intérieur de la capitale burkinabé, tout en réduisant considérablement le temps de parcours et le coût du transport. L'adoption de ce décret permettra la mise en place d'une commission ad hoc chargée de poursuivre la procédure en vue de dégager les zones nécessaires pour la mise en œuvre urgente du projet. Un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières. L'adoption de ce décret permet de renforcer le statut du CENTIF et d'être en phase avec les dispositions de la loi numéro 16-2016-AN du 3 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 13-550 conclu à Washington DC le 13 avril 2019 entre le gouvernement du Burkina Faso et le fonds de l'OPEP pour le développement international OFID pour le financement du projet de construction et de bitumage de la route nationale numéro 10 entre Tougan et Ouaiguia. D'un montant de 19 millions de dollars US, ce financement participe à la construction et au bitumage de 94 km du tronçon Tougan-Ouaiguia de la route nationale numéro 10. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a fait au Conseil le compte-rendu de la participation de notre pays au 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI,
le 31 mai et 1er juin 2019 à la Mecque et à Jeddah en Arabie Saoudite sous la présidence du roi Salman. La conférence au sommet a réitéré son soutien au G5 Sahel, notamment pour le renforcement des capacités de défense et de sécurité des pays membres. L'OCI a appelé ses membres à soutenir les pays du G5 Sahel dans leur effort de développement et de lutte contre le terrorisme. Le sommet a salué l'attribution d'un prix OCI lors du dernier FESPACO. Le président du FASO remercie les autorités saoudiennes pour l'hospitalité et la qualité de l'accueil réservé à sa délégation. Pour les nominations, veuillez consulter le journal officiel du FASO. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.